Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. Quiconque découvrirait la Seconde Guerre mondiale à l'aune de ses commémorations en 2023 n'y comprendrait pas grand-chose. Le 27 janvier, le directeur du musée d'Auschwitz célébrait l'anniversaire de la libération du camp sans inviter ses libérateurs. La Russie a bien été évoquée lors du discours protocolaire, mais seulement pour comparer Auschwitz et la guerre en Ukraine. Je cite, Une fois encore, des innocents sont tués en masse en Europe. Fin de citation. Le 25 avril, le président néofasciste du Sénat italien, M. Ignazio Larussa, a lui aussi fêté la libération de son pays en fustigeant Moscou. En visite à Prague ce jour-là, il s'est recueilli devant le mémorial Jean Palache, du nom d'un étudiant qui s'est immolé par le feu en janvier 1969 pour protester contre l'occupation soviétique en Tchécoslovaquie. Puis, il a visité un camp de concentration nazi. Une tentative mesquine de jeter dans le même chaudron tous les totalitarismes du XXe siècle, dans une nuit où toutes les vaches sont noires, au point qu'on finit par ne plus voir de vaches du tout, a commenté la philosophe et journaliste Chinziashu. Qui peut en effet percevoir, à la vue de ces cérémonies, que la plus gigantesque défaite infligée aux troupes de la Wehrmacht le fut à Stalingrad, que 11 millions de soldats soviétiques sont tombés au combat contre l'Allemagne, sans parler des 15 millions de civils tués Il y a 60 ans, le président américain john fitzgerald kennedy admettait sans réchigner je cite qu'aucune nation dans l'histoire des guerres n'a autant souffert que l'union soviétique au cours de la seconde guerre mondiale nul dirigeant occidental ne se risque plus à un tel constat invasion de l'ukraine oblige toute mention favorable à l'union soviétique ou à la russie est désormais prohibée depuis un an une vague révisionniste balaye l'europe à l'est des rues dont le nom n'avait pas changé après la chute du mur sont débaptisées par centaines, des statues déboulonnées, des édifices rasés. Non contente d'avoir détruit à Riga un obélisque de 80 mètres dédié à la victoire de l'armée rouge sur les nazis, la Lettonie a répertorié 69 autres vestiges commémoratifs de ce type qu'elle compte démolir. La liste estonienne comporte plus de 400 sites, tandis qu'en Lituanie, la purge s'étend aux œuvres réalisées par des artistes nationaux soupçonnés de sympathie avec le communisme. À l'ouest, la bataille mémorielle se joue dans les parlements. Imitant leurs homologues allemands et européens, les députés français ont adopté, le 28 mars, à la demande de Kiev, une résolution reconnaissant le caractère génocidaire de la famine ukrainienne de 1932-1933. Un acte, justifie ses promoteurs, important pour entretenir le soutien des opinions publiques occidentales, lequel est déterminant pour l'issue du conflit armé en Ukraine. Le sujet ne fait pourtant pas consensus parmi les spécialistes qui débattent du caractère ciblé et ethnique de cette famine, comme de son aggravation intentionnelle et de son ampleur. Mais, quand il s'agit de condamner Moscou, l'histoire n'est qu'une arme de plus. Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos.